Salut les amis, c'est VDK, bienvenue pour une nouvelle semaine de compétition sur e-racing. On se retrouve cette semaine sur le vieux et mythique circuit de Brands Hatch en Angleterre. Alors, les infos pour la course d'aujourd'hui, la météo est sur réaliste, avec une météo claire, un beau ciel bleu, quelques nuages, mais ça devrait aller, une température extérieure de 22 degrés, température de la piste de 43, un petit peu de vent qui vient du sud. 13 km/h, bon, on verra ce que ça va donner. Au niveau de la grille de départ, je pars 12e sur un total de 18. Vous voyez que les premiers font vraiment des temps assez costauds. Je pense que ça va être une course compliquée, surtout que j'avoue que j'ai pas trop confiance dans le setup. Plus la course avance et plus les pneus arrière se dégradent assez rapidement. Au niveau de mes essais, j'ai fait pas mal de tête à queue. Donc j'espère que ça va bien se passer pour le coup. Que je vais réussir à faire attention à ça et calmer le tempérament de feu du train arrière de la R8. Alors que ça y est, on va déjà partir pour le tour de chauffe. Donc je vous ai pas mis la manche précédente sur Interlagos, puisqu'il n'y a pas eu grand chose de très passionnant à voir. Je suis parti 17ème sur la grille, je crois, sur un total de 23 voitures. J'ai fini quasiment à la même position, il n'y a pas eu trop de bagarres. J'ai juste perdu pas mal de safe rating parce que à chaque deux fois en cours de la course, le même pilote est parti en tête à queue devant moi. Et du coup derrière il y a un pilote qui est venu me heurter. Du coup j'ai pris 2x4 non de mon fait. Donc j'ai pris une petite dose au niveau du safe rating. Donc encore plus que d'habitude. Oh, putain, il y en a qui jouent le jeu. Il est déjà chaud le mec devant. Hein. Il protège déjà ses trajectoires. Alors que voilà, j'ai encore les qualités qui montent un peu dans le tour. Ces derniers temps ça a tendance à me faire ça. J'espère que ça va aller. Normalement ça redescend. Voilà, ça commence à redescendre un peu dans le vert. Donc normalement, ça devrait bien se passer, j'espère. Pas de déconnexion, ça serait cool. Quitte à ce qu'il m'arrive des conneries, je préférerais que ça soit en course. Je préférerais qu'il m'arrive pas de conneries du tout. Mais bon, ça, après, ça se décide pas trop. On va essayer de pas faire de merde, mais bon. Donc ouais, par contre niveau classement sur cette course, je préfère pas trop viser de place. Oh putain, hey, c'est chaud là devant. Les deux, ils sont déjà avec le couteau entre les dents. Hein. Donc je préfère pas viser de place au classement parce que clairement, ça roule fort devant et je pense pas pouvoir. Je pense pas pouvoir miser grand chose alors qu'on va partir. Je parlerai à la fin ou au milieu du premier tour. Histoire de me concentrer un peu. On your right. Clear. Left side. Clear. Alors que tout de suite j'ai été attaqué par la Z4. Je l'ai pas vu se mettre à l'intérieur dans le premier virage, on a failli aller au contact. Heureusement. Il n'y a pas eu de bobo. Keep coming. Keep going. Whoa. Voilà, ça fait quelques places de gagner, mais alors grosse chaleur.
1, minute 34.568. Nice and smooth, let's get a rhythm. Go get the next one. Alors que je suis parti avec le réservoir à fond, hein. Je veux vraiment essayer de faire mon ravitaillement le plus tard possible. Histoire d'échapper à la cohue des stands, alors que derrière, Inner 8 est parti au top. C'est bien, mes poursuivants qui partent à la faute les uns après les autres, c'est pas mal, ça me vient, ça me va. En espérant qu'il en aille pas de même pour moi. Wenzas qui est un circuit vraiment très sinueux, 9 virages sur un total de 3 km 70, donc ça laisse peu de temps pour se détendre. La Z4 une nouvelle fois revient dans mon rétro. Après je sais que je suis pas très rapide hein, sur ce circuit, j'ai pas beaucoup roulé dessus auparavant dans iRacing. J'ai dû faire qu'une seule course dessus. Donc là clairement c'est miser le safe rating. Sortir de la course sans incident si possible. Alors que derrière il se fait de plus en plus pressant, je vais essayer de le bloquer pour lui faire perdre un peu de sa concentration. Pourquoi pas qu'il parte à la faute, mais il est quand même nettement plus rapide que moi, donc ça va être assez compliqué. Après Brenzot, c'est pas un circuit, il est vraiment facile de doubler. Un drapeau jaune, je sais pas trop pourquoi. Il y a une déconnexion juste derrière, donc peut-être un mec qui est parti au taille qui a quitté la course. 1 minute 27.063. Ça doit être ça parce que je suis passé 7ème. Bon, pour l'instant, j'arrive à bien le maintenir.
Devant, ça a déjà pris le large, hein. Il va à l'intimidation, hein. Là, on a un petit paquet de 4 voitures là qui suivent l'un derrière l'autre. Ouais, il a fait une connerie. Il a essayé de retarder son freinage. Bon, il a failli venir me heurter, mais du coup, je lui ai pris une seconde. Bon, je doute pas qu'il va revenir, hein. Déjà de retour, putain, il m'a pas laissé beaucoup de temps de repos lui. Alors que derrière ça a lâché un peu. Ouais, je vais te laisser passer. J'ai directement une SLS, enfin une AMG GT3 qui est dans droit dans mon rétro. Il a déjà tapé, donc il faudrait peut-être pas trop le retenir non plus lui. Ouais, putain, il m'a bloqué sur l'extérieur, du coup là tout le monde va pouvoir me passer. Ouais, c'est la débandade. Right side. Still there. Clear, clear. Left side. Clear, clear, clear. Ouais, putain. C'est la fête là, tout le monde me double. All clear. Ça c'est ça aussi le problème de Brands Watch, si c'est difficile de dépasser. Une fois qu'on est collé sur la mauvaise trajectoire, il y a tout le monde qui peut s'infiltrer. Après, peut-être qu'ils sont partis avec une stratégie plus light au niveau de l'essence au départ. Parce que moi, je le rappelle, j'ai le réservoir plein, donc forcément, je suis un petit peu moins rapide. Clear.
Clairement, pour moi, le principe, c'est de limiter la casse. Hein. Aussi bien en termes de... Enfin, pour la voiture qu'au niveau du classement. On your right. Clear. Left side. You're clear, clear. Vas-y, passe. On your right. Still there. 1 minute 27.536. Clear. Le pneu qui commence à... À glisser un peu hein, dans les. En sortie de virage, c'est là qu'il va falloir commencer à se méfier, je pense. Alors qu'il reste déjà plus que 26 minutes de course. Ça passe vite, à fou! Là, les stands devraient pas tarder à commencer. Enfin, le balai dans les stands. On voit tout de suite, putain, ils mettent une dose. Hein. 1 minute 28.397. Ah, alors que. Voilà. Le mec dans l'air 8 est parti à la faute. Ça me va. Le mec avec la Z4 derrière, Tony Wesh. Pas l'air de vouloir trop m'attaquer. Il est là, il essaye de présenter un peu le nez, mais il va pas franco. Ce virage il me fait vraiment très peur.
pas évident de gérer sa stratégie de descente quand on a oublié de le faire au départ. Décocher les... le changement de pneu sur un circuit comme Brands Hatch, c'est pas évident. Ah, la boulette. Right side. Clear. Heureusement, il m'a suivi. Bon, il a failli venir me heurter, mais bon. Au moins. Au moins, j'ai gardé la 11e place. De gérer ma stratégie des stands, il y a juste l'essence qu'il va falloir que j'adapte par rapport au nombre de tours qui me restera à couvrir quand je rentrerai. Il me reste 8 tours d'essence là. Ce qui est pas mal, c'est que le 13ème est à plus de 20 secondes, donc au moins je sais que la 12ème place elle est assurée. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui ravitaille pour l'instant. Donc si ça se trouve, ils sont tous partis avec le réservoir plein. C'est juste qu'ils me mettent une grosse douille au niveau du chrono. Je vais vraiment sur des œufs au niveau de la réaccélération en sortie de virage parce que franchement, vu le nombre de têtes à queue que j'ai fait en practice, j'ai franchement peur que ça m'arrive. Alors que ça y est, déjà un premier pilote au stand. 1 minute 28.2. Un deuxième avec mon poursuivant. Alors que la piste est bien éclaircie aussi bien devant que derrière. Faut que j'essaye de me concentrer pour profiter de ça. Pour essayer de faire des bons chronos. Surtout que c'est là où j'arrive avec le réservoir qui commence à se vider.
1, minute 27.709. J'essaye vraiment de me concentrer, hein, derrière il n'y a pas le Mansell qui revient en vitesse grand V. Il avait 5 secondes de retard le temps précédent, il n'en a plus que 3. Je freine trop tard sur le virage. Je me fais des petites frayeurs. Pas de soucis, copain. Je rentre dans 4 tours. 1 minute 27.917. J'ai un retardataire devant moi. J'espère qu'il va se laisser doubler facilement. Si j'arrive à remonter dessus. Ce qui a quand même l'air d'être le cas. Je pense que Paul Mansell derrière, je vais pas essayer de trop le retarder. Il est clairement beaucoup plus rapide, donc pas prendre de risques. Putain, faut vraiment que je freine plus tôt dans ce virage. Alors qu'il y a tous les mecs qui m'ont dépassé juste avant qui viennent de ressortir devant moi. Derrière aussi. Ils ont fait des ravitaillements très courts. Dans 3 tours ça va être bon. J'ai freiné tard là. On your left. On your clear, clear. Your right. Clear if you need it. J'ai laissé passer le trafic, même si c'était les mecs qui techniquement étaient dans mon tour.
Ils sont bien trop rapides pour moi, donc ça sert trop à rien de les bloquer. Le truc, c'est que je redescends à vue d'œil dans le classement. J'espère qu'au niveau de mon ravitaillement, ça va pas me faire perdre trop de temps et de place. J'espère que j'ai pris la bonne solution. Je pense qu'on va savoir ça très vite. Il me reste deux tours, donc à la fin de celui-là, je vais rentrer. Il me reste 12 minutes de course. Peut-être essayer de faire un tour de plus encore en marque. Bon, ça a été chauffant du quand même. Bon, je rentre maintenant. Je peux faire encore un tour. Oui, continue. On essaye. 30 litres. On va rebaisser. Je pense qu'avec 23 ça devrait être suffisant. Espérons. Désolé si j'ai pas trop parlé, j'étais en train de d'essayer de faire mes calculs malgré mon conscient intellectuel matheux très faible. Allez, 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 allez. Putain, non mais c'est pas possible. Je fais pas une erreur de la course. C'est en sortant des stands que les pneus... Oh putain, j'y crois pas. Alors j'ai le premier juste derrière.
me reste 10 tours d'essence, il reste 7 minutes. Normalement, ça devrait faire. Et pour l'instant, je suis 10ème. Ce qui, au final, me va très bien. Top 10, c'est toujours ce que je vise. Quand je pars de plus loin. Ouais, j'ai l'air d'avoir pas mal d'avance quand même par rapport au 11ème. Ouais, j'ai 28 secondes. Ça permet de les de voir venir. Bon, après, ce qu'il faut, c'est pas perdre la concentration, pas partir à la faute, pas péter la voiture. Là, je peux me permettre d'assurer un peu, mais c'est souvent dans ces moments-là où on se déconcentre un peu et où on fait la connerie. Et ça serait bien que je la fasse pas. Par contre, si le 9ème il veut la faire, il n'y a pas de souci. Donc là, on rentre dans la partie calme de la course où j'ai plus qu'à gérer le trafic des premiers, des pilotes en tête. Je vais en profiter pour du coup parler un peu de la prochaine manche qui sera la deuxième d'un petit duo 100% british. Puisque là, cette semaine, donc, on est sur Brands Hatch et la semaine prochaine, on est sur le circuit de Silverstone. Berk. Comme vous l'aurez compris, je suis pas trop fan de Silverstone. Surtout que la version e-racing aurait besoin d'être rescannée. Parce que c'est un circuit qui date. Mais même de base, hein, Silverstone, c'est un circuit dégueulasse que je n'aime pas du tout. Malheureusement, on se tape quasiment toutes les saisons, dans toutes les catégories presque. Donc malheureusement, il n'y a pas trop le choix, je vais faire avec. Allez, avance. Left side, clear, clear, 1:27.93.2. Donc oui, petit duo de circuit anglais avec Brands Hatch et Silverstone. Donc ça va sentir bon la cup of tea avec un nuage delay et les after eight. Mais autant Brands Hatch est vraiment assez sympa et très fun à piloter, autant Silverstone, c'est un circuit hyper ennuyant. Enfin, je trouve, hein, perso, après, bon, les goûts, les couleurs, hein, mais. J'essaie de regarder dans la ligne droite un peu combien de temps de course il reste. Minutes, il me reste 6 tours d'essence. Je pense qu'en ayant mis 23 litres, ça aurait été suffisant. Mais bon, le principal, c'est de pas finir. Enfin, pas tomber en rade d'essence comme ça a pu m'arriver sur Spa. Spa, j'ai vraiment eu très chaud. Enfin, j'ai été emmerdé, mais j'ai vraiment eu très chaud parce que heureusement que je suis tombé en rade d'essence dans les stands, sinon je serais vraiment dans la merde.
mais du coup là sur les courses précédentes j'ai un peu trop assuré à ce niveau là. Là je pense que c'est plutôt pas mal, j'ai bien géré mon coût au niveau de l'essence. Je pense que la stratégie était. Enfin. Était pas forcément mauvaise, mais sur un circuit comme Red Zatch, au final, ça se voit pas tant que ça. Bon, alors il aurait vraiment fallu que je fasse des temps canons pendant que mes poursuivants étaient au stand, ce qui n'était franchement pas le cas, et en plus ils étaient nettement plus rapides que moi, donc. Mais ouais, honnêtement, cette 10ème place, si j'arrive à finir à cette place là, me convient parfaitement. Et surtout au vu de l'entraînement, et bon, après le seul point dommage c'est que je vais pas faire une clean sheet parce que j'ai fait cette petite connerie à la sortie des stands. Franchement rageant. Ouais, donc franchement rageant d'avoir fait cette petite bourde. Mais bon, les safe rating devrait remonter. C'est ça le principal. Puisque du coup, avec ce qui s'est passé sur Interlagos, je suis redescendu à 3,50 alors que j'avais passé la barre des 4. Donc c'est un peu rageant. Enfin, il y a Interlagos et aussi mon fabuleux week-end sur Monza. Celui-là aussi m'a bien coûté cher. Donc en gros, tout le taf que j'avais fait pour enfin passer la barre des 4 de safe rating, il a été perdu en deux courses. Donc c'est super. Ça, j'avoue que c'est vraiment le point noir d'e-racing, c'est que le safe rating il prend une douille trop rapidement. On galère comme des chiens à le grimper et en deux courses, on perd quasiment tout ce qu'on a essayé d'amasser. Je serais pas contre un petit drapeau blanc là, les mecs, hein, par contre. Ah bah voilà, je suis demandé. Ouais, hop. Voilà, bon ben bonne petite fin de course, enfin bonne petite course globalement. Hein. Tout s'est bien déroulé, j'ai eu quelques bonnes bagarres dans la première partie avant le début des arrêts au stand. C'était assez sympa. Circuit ma foi quand même un peu stressant. Yeah, merci. Donc ouais, bonne petite course. Ça fait plaisir de revenir avec un seul incident. D'un autre côté, c'est un peu chiant de l'avoir pris, enfin de l'avoir fait du coup. Après, je pense que ouais, c'était un petit peu dur en sortie de. C'était un petit peu dur en sortie de stand comme ça. Bon après, j'ai un peu trop appuyé sur le champignon, voilà, c'est de ma faute. Mais bon, un seul incident, ça fait 3-4 courses que ça m'était pas arrivé, donc ça fait du bien de repartir sur bonne base. En espérant que ça soit plus ou moins la même chose pour Silverstone. Honnêtement, j'y crois pas trop parce que... Je sais pas ce qu'il y a...
thanks for the clean race, made telemetry record, so thankful. Ok. Ouais, donc sur Silverstone, j'ai pas trop d'espoir, parce que franchement, c'est vraiment un circuit que je déteste. Pour moi, c'est vraiment la purge de rouler dessus. Mais bon, on va pas avoir trop le choix. Si je veux gagner les 4$ à la fin de saison, je peux plus me permettre de louper une course. Donc va falloir se le taper, malheureusement. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou si vous voulez discuter, je sais pas, me faire des suggestions pour améliorer les vidéos, bah n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à laisser un like sur YouTube pour essayer que mes vidéos apparaissent un petit peu plus en haut de page sur YouTube. Un dislike si vous n'avez pas aimé. Arrête-toi, Coco. Enfin voilà quoi. Faites ce que vous voulez avec la petite barre en dessous, la barre de discussion et tout ça. Et puis je vous retrouve pour la semaine prochaine sur Silverstone. C'était les DK, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.